Hello, hello, salut, salut les amis, encore c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Ici Olga Vanille, votre consultante business. Alors, c'est l'instant Congossa. Je vais appeler ça comment? C'est l'espace de l'exposition. L'instant. Oh, tout le français du bal est un coup de catalan. C'est l'instant de l'exposition. Il est temps pour moi d'exposer. Un gros scam. Alors, je savais pas jusqu'à aujourd'hui. Bon, pas que. En fait, d'habitude, les gens font des arnaques et arnaquent les autres sous prétexte qu'ils sont des partenaires d'Afri Exchange ou alors qu'ils travaillent avec moi. Alors que les gens avec qui je travaille, bah, je donne leur nom directement sur mon WhatsApp et les noms sont visibles sur le site. Alors, il y a des gens qui se font passer pour moi. Parfois pour voler les fioles, je ne sais pas ce que ça leur donne. Parfois pour arnaquer, soi-disant c'est moi, ou alors ils se font passer pour moi. Et si ça nous coûtait à star comme ça, massa. Bref, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube avant d'écouter mon Dieu comme ça, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos. Alors, comme je disais tantôt, je ne savais pas que j'étais doublée. Je ne savais pas qu'il y avait une autre Olga Ndjeya, Olga Mbani. Voilà. Parce que Ndji, comme c'est écrit Olga Ndji, là, Ndji, c'est le nom de mon mari. Donc, il y a quelqu'un qui a pris mon ancienne photo de profil où j'avais écrit Olga Ndjeya et après avec Afri Exchanger. Donc, la personne a capturé ma photo de profil, l'a mise sur sa photo de profil WhatsApp, carrément, avec ma photo, mes informations, comme si c'était moi, et s'est fait passer pour moi, carrément. Mettre des pubs sur Facebook, dire oh non, c'est un Free Exchanger Cameroun. Le plus cruel, alors le plus décevant, c'est quand, dans mes recherches, je me rends compte que c'est même une de mes fioles, un de mes abonnés, qui usurpe mon identité pour prendre, je ne sais pas si elle arnaque les clients ou elle les sert vraiment avec des prix pas catholiques. Je dis, mais tiens, Dieu merci, il y a des clientes vigilantes qui se disent, mais tiens, comment tu m'écris avec un numéro qui ne figure pas sur le site? Donc, alors je vais attirer votre attention une fois de plus. Mes numéros sont ceux dont je mets sur ma chaîne YouTube ou que je publie ou que vous allez trouver sur mon site Afri Exchanger Cameroun. Déjà, je travaille avec, sur les transactions, je travaille avec deux personnes. Eunice, mon assistante, et Henriette, qui est ma sœur, qui me représente sur le doigt là. Alors, le reste des personnes là, je ne les connais pas. D'accord? Je ne les connais pas. Et les numéros sont disponibles sur mon site. À la description de cette vidéo, je vais encore vous donner les numéros pour passer les commandes. Alors, si quelqu'un vous écrit avec un numéro qui n'est ni celui-là, qui n'est ni celui mentionné sur le site dont je vais vous passer le lien, alors, vraiment, appelez-moi directement pour vous rassurer que la personne travaille avec moi parce que vraiment l'heure est grave. L'heure est grave, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs Olga Mbani ici dehors. On demande à la personne, c'est toi? Elle dit oui, c'est Olga Mbani, mais un peu de sérieux. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment. Donc en fait, et après je vais me retrouver avec les gens qui disent, Madame, oui, c'est Afri Exchanger, je me suis fait arnaquer, vous êtes des bandits et tout, alors que j'ai des bandits derrière moi qui se font passer pour mes fieux, qui sont là pour arnaquer les gens, ou alors qui se font passer pour, je sais pas, qui se font passer pour moi carrément, pour arnaquer les gens. Vraiment, la personne qui a usurpé mon identité, bah, elle se reconnaîtra certainement dans cette vidéo. Parce que quand moi je dis que j'affiche, et bah, j'affiche en vrai.
C'est pourquoi je vais un peu et je vais aller parce que la personne est allée jusqu'à créer un profil Facebook et mettre dans le nom même olgahambani.7, c'est la magie. Donc je vais sans plus tarder dénoncer la personne en vrai. On se retrouve dans ma machine. Donc, nous y sommes. Comme je vous l'ai dit, j'ai constaté qu'une jeune demoiselle a usurpé mon identité. Elle s'est créée un compte Facebook, un faux compte Facebook pour se passer pour moi. Je ne sais pas si elle arnaque les gens ou alors je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un scama. Parce que quelqu'un ne peut pas usurper mon identité, c'est un acte criminel. Voilà. Parce que je ne sais pas ce qu'elle fait. Peu importe, elle usurpe mon identité, elle usurpe mon nom, même ma photo de profil. C'est vraiment pathétique pour une femme de faire ça. Parce que j'appelle ça du vol. J'appelle ça voler. Parce que la seule intention des gens qui usurpent l'identité des autres, un peu comme les plateformes qui copient et trompent pour arnaquer et voler, ce n'est que ça en fait. Il faut être, je ne sais pas. Mais excusez-moi, moi je ne laisse pas passer ce genre de choses. Parce que déjà plusieurs personnes ont déjà essayé de m'arnaquer d'une certaine manière. Félicitations à celui qui avait pu, mais je pense que depuis un certain temps, j'ai travaillé ça. Donc, comme vous me savez, vous le savez très bien pour ceux qui voient mes statuts, je ne blague pas à afficher les scamas. Et pour moi, celle-ci, ça en est une. Voilà. Donc, allons-y voir. Alors, je vais attirer votre attention. J'attire encore votre attention. J'ai uniquement deux comptes Facebook et je suis active avec celui-ci. Mais voici mes deux comptes Facebook. Vous verrez là, Épouse Ndjeya. Ici, vous verrez Olga Mbani, Afrique Changer Bitcoin, Official Reseller. Voilà mes deux comptes Facebook avec mes informations. Alors, il y a ce compte Facebook là, Olga Mbani, qui n'est pas moi. Et donc, vous voyez, la personne a pris la photo, cette photo de prophétie, pour mettre en statut. Et on va découvrir, vous allez voir, dans mes vrais comptes. Voilà, on va venir là. Ça, c'est le compte usurpé. Voilà. Ça, c'est le compte usurpé. Déjà, vous verrez que le compte est presque nouveau. C'est un nouveau compte. C'est un nouveau compte. En plus de cela, la personne copie tout ce que je fais, mais ne met pas mon véritable numéro de téléphone parce que c'est son numéro qu'elle met là. C'est pathétique, mais grâce à nos clientes fidèles ou clients fidèles, on a pu détecter cette arnaqueuse. Moi, je l'appelle ainsi. Usurper l'identité de quelqu'un, c'est de l'arnaque. Cette arnaqueuse qui, tout ce que je publie sur Facebook, vient recopier la même chose ici. Et met que WhatsApp, que c'est son WhatsApp ici. Ce qui est marrant, c'est que c'est aussi une de mes clientes, c'est-à-dire, elle vient dans mon inbox pour vendre ses bitcoins. Je sais que c'est une de mes fioles, elle me suit sur YouTube. Mais alors, quand elle fait des dépôts, c'est après, elle m'écrit sur WhatsApp avec un autre numéro, mais elle est sur WhatsApp avec ces deux numéros avec lesquels elle ne m'écrit jamais. Et que je constate que, bah tiens, entre-temps, c'est là où je lui fais les dépôts quand elle fait ses ventes. J'avais jamais prêté attention, j'enregistre pas les numéros des dépôts des clients jusqu'à ce qu'une cliente se plaigne. Donc, vous voyez là que ce n'est pas mon numéro. Dieu merci, je ne cache pas mon contact. Alors, vraiment, soyez vigilants, les amis, soyez vigilants. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour moi et qui ne sont pas moi. Je ne cache pas mon contact. Mon contact, je le donne toujours dans ma chaîne YouTube. Que ce soit Orange ou MTN ou sur ma plateforme Afri Exchanger. Elle met la freeexchanger.com parce que c'est que vous allez aller et que les gens adorent les transactions rapides. Alors, on va certainement la contacter directement via WhatsApp pour être sûr. Et elle incite les gens à faire des paiements à distance en disant non, nos bureaux sont à Yaoundé. Elle donne vraiment mon adresse. Elle cite le nom de mes agents. Elle cite le nom de ma soeur Henriette qui est à Douala, qui me représente ce Douala. Elle cite même le nom de mon assistante Eunice. Parce que c'est ce que j'ai mis sur ma plateforme. Mais, elle n'est pas moi. Donc, vous verrez là que ce que j'ai publié mais là. Mais ce n'est pas moi ça. Voilà. Donc, juste pour attirer votre attention,
Non seulement le Facebook est récent, elle n'a presque aucun ami. Voilà. Donc, attention. Et là, vous voyez, viens mettre la Olga Ambani.7. Maintenant, vraiment, attention. Attention, mais tous mes comptes n'ont pas moins de 2 ans. Vous n'avez même pas dit mon plus vieux compte. Mes comptes sont des comptes qui datent. Et vous verrez plusieurs photos de moi. Vous verrez mon numéro de téléphone ou alors mes numéros de téléphone que je vais encore prendre soin de mettre en description de cette vidéo. Et donc, je vais préciser les numéros qui sont spécialement pour les appels et ceux dont vous pouvez m'avoir sur WhatsApp. Et les numéros, le numéro de l'agent avec lequel je travaille qui est ma grande soeur qui est à Douala, Henriette. Donc, vraiment les amis, prenez toujours la peine de vous rassurer que c'est les bons numéros. Il y a trop de bandits. Alors, ma chérie, comment elle s'appelle? Vous allez voir là. Ça, c'est mon vrai compte. Voilà. Donc, vous pouvez voir la différence avec les informations qui s'y trouvent. Ça, c'est l'un de mes comptes. Et j'ai des amis et c'est un vieux compte. Voilà. Ça, c'est l'un de mes comptes. Et ici aussi. Donc, vous voyez là que le nom de mon compte ici, c'est Facebook/Olilavenir. Ou... le deuxième de mes comptes, c'est Olga Ambani tout court. Olga.Ambani tout court ou Oli.L'avenir tout court. Voilà mes 2 comptes Facebook. Et je suis plus active sur Olga.Ambani. Voilà. Donc, je suis plus active sur ce compte-ci. Et donc, mes pages, vous les connaissez. Donc, voilà mes 2 comptes, les amis. Voilà mes 2 comptes. Ça, c'est un fake. Fake, 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 c'est une arnaqueuse. Alors, je vais continuer à exposer l'arnaque. Alors, de son vrai nom, la voici, pas de son vrai nom, de son vrai profil, elle s'appelle Prudence Sodevilla sur Facebook. Mm-hmm. Et vous voyez là, elle a mis besoin de $500 à distance ou au bureau. Et après, elle met à Free Exchange Cameroun. Et elle met son numéro de téléphone. Les amis, là, ce qui m'a scandalisé, c'est que quand j'enregistre son numéro, alors je réalise que j'enregistre ce numéro-là parce que c'est un numéro avec lequel elle m'avait écrit. Hein? Je vais le faire. Voilà. Je vais. Voilà. Vous voyez, quand je tape dans la recherche, je tombe sur ma recherche WhatsApp. Voilà, je tombe, je trouve que, mais tiens, c'est écrit Fiole Pétrompé. Et ensuite, j'ai même déjà fait une transaction, elle a déjà fait plusieurs fois le retrait. Et j'ai payé à ce numéro qu'elle affiche partout. Voilà. Et son nom, j'ai vu, c'est Atouba Madeleine. Voilà. C'est vraiment bizarre. Et quand j'enregistre donc son numéro pour voir le WhatsApp, les amis, qu'est-ce que je découvre? Non, mais... elle a carrément ma photo sur son profil WhatsApp. Elle s'est fait passer pour moi. Ah là là. C'est-à-dire, je ne savais pas que j'étais déjà star à ce point-là où les gens se prennent pour moi pour voler les autres. C'est scandaleux, mais je me dois d'afficher ça. Donc, vraiment, faites très attention. Faites très attention. Voilà ses publications. Voilà, elle met toujours à Free Exchange Cameroun. Elle met là, elle fait des publications au nom d'Afri Exchange alors que... voilà, vous voyez, elle envoie les informations aux clients et elle envoie son Facebook qui est un faux Facebook que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, elle envoie ce faux Facebook Olga.Ambani.7 là. Ça, c'est pas moi du tout. C'est pas moi, je dis encore, c'est pas moi. Donc, la demoiselle, elle s'appelle de son vrai nom, je suppose, parce que c'est ça qui est enregistré pour les dépôts. De son vrai nom, Atouba Madeleine. Oh. Et de son vrai Facebook, Prudence Sodevilla, comme vous pouvez voir là, elle a fait ses publications là. Et la voici, voilà, la petite arnaqueuse. Oh, voilà. Voilà la petite arnaqueuse qui s'est fait passer pour moi. Voilà. Elle s'est fait passer pour moi. Donc, les amis, faites attention. Vraiment, faites attention. Voilà la scama. C'est elle là qui se fait passer pour moi. C'est pathétique. Donc, faites très attention. Faites très attention. Pour ceux qui veulent me contacter sur Facebook, je vais prendre soin de vous mettre les liens de mes 2 comptes Facebook. C'est-à-dire
Oli l'avenir et Olga Ambani. Voilà mes deux comptes Facebook. Je prendrai soin de mettre les liens en description de cette vidéo. Et vraiment, j'attire votre attention. À Free Exchange Cameroun, jusqu'à présent, je suis la représentante. Et donc, mon siège est à Yaoundé, en Sam. Ce qui est marrant, c'est qu'elle donne ça aux gens. Mais après, les incite à payer à distance, machin, et tout. Vraiment, vous savez, je suis un enfant de Dieu. Hein. Coûte que vaille, le Seigneur finit toujours par m'exposer mes ennemis. Donc, c'est pareil pour ceux qui passent le temps à inboxer. Ils sont dans mes groupes. Ils inboxent tous mes fioles ou bien tous ceux qui sont dans mon groupe. Ils ne savent même pas les personnes qui sont dans mon groupe. Mais ils passent le temps à les amener avec des liens. Et les gens viennent chaque fois se plaindre chez moi que, mais, des gens-là, ils passent le temps à m'envoyer les liens, les liens, les liens. Et à chaque fois, la personne qui le fait, je vais dans son inbox, je dis arrête de faire ça. Arrête d'inboxer des gens, de vous incruster dans les inbox des gens et les envoyer les liens. Jamais vous ne me verrez dans un inbox en train de dire bonjour, voici une nouvelle opportunité. Bonjour, non, c'est pas ça le parrainage. Apprenez à travailler. Allez sur Facebook, tapez une annonce et répondez au message. Arrêtez de balancer vos liens partout pour. Moi, j'appelle ça de la malhonnêteté. Ça, c'est un parrainage malhonnête. Vraiment, c'est pas sérieux du tout. Et pour après vous faire passer pour soi, c'est le fiel de Olga. Ou alors non, je suis dans le même groupe avec Olga. Voici une bonne opportunité qui paye. D'autres mentent parfois même que je suis dedans alors que je n'y suis pas. Vraiment, arrêtez-moi ce banditisme. Arrêtez ce banditisme. C'est pas gentil. Donc, à toi, Prudence Sodeva, de ton vrai nom, Atuba Pauline, Atuba Madeleine. C'est Atuba ou c'est Atuba? Attendez, on vérifie. C'est Atuba Madeleine, voilà. C'est Atuba, non? Atuba, voilà, c'est ça. Atuba. Donc, voilà ces deux numéros de téléphone. Vraiment, les amis, je vais vous inviter à les enregistrer. Enregistrer ces deux numéros. Ça, ce sont ces deux numéros qu'elle utilise. Mais vraiment, je vais vous donner celui, le troisième, avec lequel elle m'écrit. Parce que c'est important. Enregistrez ça dans vos téléphones. Quitte à ce que si elle ne veut pas changer de numéro de téléphone pour vous laver d'autres numéros. Mais voilà ces deux numéros. Vous voyez là, le 655 53 77 87. Et vous enregistrez bien usurpateur d'identité. Et slash scammer. Voilà. Si vous voulez même mettre arnaqueuse. Voilà. Parce que là, je suis vraiment. Ça m'énerve. Donc, ça m'énerve. Donc, vous voyez là, si je tape à tout bas. Vous voyez? Elle a carrément ma photo en profil. C'est la magie. Ouais, pas possible. Donc, vous voyez là, elle a carrément ma photo sur son profil. Carrément. Donc, c'est pas croyable, vous voyez. Est-ce que c'est moi là? C'est pas moi. Et ces deux WhatsApp, son deuxième WhatsApp à quoi là? Non, ça, autre chose sur le profil. Bref, elle a carrément trois WhatsApp. Donc, et de son WhatsApp avec lequel elle converse avec moi, je vais mettre parce qu'on peut dire que non, je vais salir quelqu'un. Voilà, je crois que c'est elle là. Voilà. Donc, expressement, excuse-moi, expressement, j'ai voulu savoir là où elle est. Et je lui ai fait ce message. Et voilà, elle a dit qu'elle est à Bertois. Mais voilà donc. Son numéro avec lequel elle m'écrit. Voilà. C'est quoi même ce truc? C'est quoi son numéro là même? Voilà. Donc, voilà le numéro avec lequel moi je la connais. Le 690-09-12-11. Va voir me voir. Peut-être ça ne sonne même pas. Bref, ça ne m'intéresse pas que ça sonne ou pas. Mais vraiment, c'est important que vous enregistrez ces trois numéros. Comme de l'arnaque. Donc, très cher Atuba Madeleine. Je suis vraiment déçue de ce qu'une jeune fille de ton âge, ce qu'elle peut trouver à faire, c'est voler, arnaquer et usurper l'identité de quelqu'un. T'inquiète pas, je vais m'arranger à ce que Facebook bloque ton compte parce que c'est un vol pur d'identité. Sauf si tu as une carte d'identité qui va te dire que tu es moi. Mais là, je vais le signaler. C'est pathétique, vraiment. C'est pathétique. Une jeune fille comme toi, loue de travailler. Tu te fais passer pour moi. C'est que tu m'idolâtres, c'est même trop. Hey! Non, maman, laisse ça comme ça. Vraiment. Donc,
arrêtez. Beaucoup de personnes se font arnaquer ici parce qu'ils se font passer soit pour moi, soit pour mes partenaires. Je ne les connais même pas. Te voici aujourd'hui, j'ai attrapé. Je ne sais pas combien de toi il y en a ici dehors. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien vu. C'est très important. Voilà. Il sait bien d'enregistrer les profils et les numéros que je vous ai laissés. Donc, voilà. Ouf, Seigneur, quelle image, quel gâchis. Quand les femmes volent, c'est l'air. Donc, voilà. Je pense que vous pouvez voir là que, voilà. Je ne sais pas si elle a arnaqué des gens ou pas, mais une chose est sûre. C'est que vu les petits montants de dollars qu'elle vend, je ne sais pas où elle espère trouver ou alors c'est quoi ça. Bref, donc les amis, c'était juste pour dénoncer cette usurpation. C'est un délit très grave, je vous promets. C'est un délit de cybercriminalité très grave, d'usurper l'identité de quelqu'un et de faire des transactions sous soi-disant que c'est elle. Donc, ma grande, tu as la chance. J'espère pour toi que tu n'es pas à Yaoundé parce que je vais m'arranger à ce qu'on te localise. Voilà. Et je vais aussi m'arranger peut-être à porter plainte contre toi. Qu'on ne dise pas que non, je suis trop dur, mais je ne pense pas. Donc voilà. Les amis, c'était ce dont je voulais vous faire part. Voilà. C'était ça. Faites très attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il y a trop d'arnaqueurs. Trop d'arnaqueurs. Voilà. Donc, voici encore, je montre encore. Regardez bien. Ce n'est pas moi. Mon nom, c'est Olga Mbani Toukou. Il n'y a pas 7 derrière. Ou 8 ou 9 ou tout chiffre ou lettres qui vont s'ajouter après. C'est soit Olga.Mbani, soit Oli.L'Avenir. Ça, c'est moi. Le reste, c'est pas moi. Néanmoins, je vous laisse mes vrais Facebook en description de la vidéo. Vraiment, faites très attention. Il y a des anarches. Maman, elle prend même le temps de publier tout ce que je publie. Ha! Oh yo, c'est pas la magie. Les amis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les top japap comme celui-ci. Vraiment de Dieu. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!